slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V, encore une nouvelle fois pour une vidéo de mode. Donc cette vidéo de mode c'est mon pote qui se baladait en soucoupe volant, donc rien d'exceptionnel. Mais bon, c'était quand même marrant à voir, je vous invite à aller voir sa chaîne qui sera dans la description. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle que je viens d'apprendre grâce à ma nouvelle, grâce à l'application Happy Gamer. Donc voilà, je vais vous dire, de toute manière vous l'avez vu dans le titre. Alors apparemment GTA V serait le jeu le plus lourd de la PS4 et il peserait à peu près 50 gigas. Alors 50 gigas, je vais vous le dire, c'est énormissime. Les jeux sur Xbox 360 et PS3 font entre 18 et 16 gigas. Bah, GTA 5 en tout cas faisait entre 18 et 16 gigas. Là on passe vraiment à du lourd, c'est du 50 gigas. Je sais vraiment pas ce qu'ils nous ont prévu sur ce jeu, mais ce sera vraiment le jeu le plus lourd de la PS4. Alors comment on peut savoir ça? Donc dans la description je vous mettrai un screen que l'application a mis en ligne, parce que c'est quelqu'un qui a précommandé le jeu via un site. Et il l'a précommandé sur la PS4. Et quand on lit le screen, quand on lit bien ce qu'il y a écrit, il dit bien que le disque dur, bah, qu'il faudra au minimum 50 gigas sur la console pour pouvoir installer et jouer au jeu. Donc ce qui est juste énormissime. Voilà, c'est juste énorme, 50 gigas. Alors peut-être que les braquages vont faire leur apparition sur ces 50 gigas, je n'ai aucune idée. Mais personnellement, je peux vous dire qu'on peut s'attendre à du lourd, parce que 50 gigas, 16 gigas, vous avez un peu vu ce qu'on a eu avec 16 gigas sur GTA 5. Alors là c'est quasiment, c'est même plus que le double, c'est voire le triple de ce qu'on a eu. Après je sais qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait une meilleure définition, une meilleure qualité, la végétation serait beaucoup mieux, etc. Mais là 50 gigas, même les jeux sur Xbox One que j'ai déjà pu télécharger ne faisaient pas 50 gigas. Là je suis vraiment très très choqué d'apprendre ça, parce que j'ai rentré des cours, j'apprends ça, je suis vraiment assez choqué. En tout cas vous dans les commentaires vous pourrez me donner votre avis de si vous pensez que c'est énorme, si c'est pas énorme, si vous pensez qu'il va y avoir quelque chose d'assez spécial sur ce GTA V sur Next Gen. Je rappelle qu'il sortira le 18 novembre et je vous ferai une vidéo exclusive le jour de sa sortie. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Vous me donnez tous vos avis dans les commentaires, c'est vraiment super important. Je vais vite fait vous inviter à me rejoindre sur Twitter, donc le lien sera dans la description. Et du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.